Bonjour, bienvenue mesdames, messieurs à ces assises des délais de paiement co-organisées par la FIJEC et la FDCC. Nous sommes sous le haut patronage, bien sûr, du ministère des Finances, de l'économie et de la relance. Et comme l'année dernière, nous avons le soutien du MEDEF que nous remercions. En matinée, nous allons traiter la situation des retards de paiement avec des interventions importantes, le ministre des PME, le président délégué du MEDEF, le gouverneur de la Banque de France, le président de la CPME, le vice-président de l'UDP, la présidente de l'Observatoire des délais de paiement, et enfin les deux médiateurs le médiateur des entreprises et le médiateur du crédit. L'après-midi sera consacré à la digitalisation de l'order to cash et aux témoignages d'entreprises sur les délais de paiement, leurs initiatives et également sur l'utilisation des produits de nos partenaires. Cette journée sera animée par Rachid Arab, journaliste bien connu et qui nous a déjà accompagnés l'année dernière. C'est devenu un expert des délais de paiement. Mon cher Rachid, à toi. Merci infiniment, Jérôme. Bonjour à tous et à toutes où que vous soyez. Depuis que j'ai le privilège de collaborer avec les organisateurs de ces assises des délais de paiement, on a tout connu. On a connu les réunions en présentiel, on a connu les réunions en visioconférence. Et voici qu'aujourd'hui, nous allons découvrir et inventer une sorte d'hybride, puisque nous sommes en plateau ici à Paris, du côté de Montparnasse en direct, et qu'un certain nombre d'intervenants seront à l'extérieur, tout simplement pour des questions évidentes de crise sanitaire et de précaution sanitaire. Jamais plus de trois personnes sur ce plateau. Nous portons les masques en dehors de ce plateau. Nous prenons un certain nombre de précautions à chaque fois qu'il y aura d'autres invités qui viendront nous rejoindre. Et puis, vous entendrez tout au long de la journée, puisque nous commençons ce matin à 9h et nous terminerons à 19h, vous entendrez un certain nombre de réactions également enregistrées. Journée très riche qui nous mènera donc jusqu'au couvre-feu, un petit peu avant, ou en tout cas jusqu'au moment des annonces ce soir du président de la République concernant la suite de la crise sanitaire et des mesures plus contraignantes qui seront éventuellement annoncées et qui auront de fait une forme d'influence sur les échanges que nous aurons aujourd'hui, même si nous ne sommes pour l'instant que dans des suppositions tant que le président de la République ne s'est pas exprimé. D'un point de vue très concret, la journée qui nous réunit se déroulera autour de quatre thématiques principales. L'évolution des retards de paiement, ce sera à partir de 10h30 avec un certain nombre de personnalités que Jérôme a citées tout à l'heure, notamment les deux médiateurs, Monsieur Pelouzet et Monsieur Wisnowski. La digitalisation au service de la réduction de ces délais de paiement, ce sera l'objet de la première table ronde à partir de 14h. On fera un panorama des solutions et des outils en faveur du respect de ces délais de paiement à partir de 16h. Et les initiatives pour réussir la relance économique et respecter les délais de règlement seront à l'ordre du jour à partir de 17h30. Et cela donc nous mènera jusqu'à 19h à peu près. Ce matin, donc, comme l'a dit Jérôme, on expose toutes les données de la question de la façon la plus concrète possible. Et puis cet après-midi, on envisage, on passe en revue l'ensemble des outils, des solutions pour une meilleure maîtrise et une bonne maîtrise des délais de paiement en pleine crise avec de nombreux témoignages. Autour de moi, donc, autour de moi et pas loin de moi, un certain nombre d'autres personnes qui ont préparé ces assises des délais de paiement. On organise tout cela, vous le savez, avec la FDCC, l'Association des Credit Managers, représentée ici par Eric Scherrer, qui aura la parole dans un instant, et Charles Battista, président de la FIJEC, les entreprises de gestion des créances. Charles, qui n'est pas très loin de nous et que j'aperçois avec plaisir. J'espère que vous allez bien. Charles, je vous souhaite une bonne journée. Qu'en attendez-vous à titre personnel et à titre professionnel? Alors, bonjour à tous. Avant de vous dire ce que j'attends de cette journée et ce que peuvent attendre les différents auditeurs, c'est très vite la FIJEC, c'est la Fédération des sociétés d'information, de gestion de créances et d'enquête civile, est une organisation professionnelle majeure qui est majeure à la bonne marche de notre économie. Ce que j'attends de cette journée et ce que peuvent en attendre les différents auditeurs, c'est on est en train de traverser une crise extrêmement sévère sur le plan économique. Et on sait que le nerf de la guerre pour les entreprises, c'est la trésorerie. Donc, je n'aurais pas besoin de rappeler que nous étions au mois de mars dans des délais de paiement relativement longs. On avait franchi un cap astronomique, pour ne pas dire à un moment donné, plus rien rentrait, plus rien ne sortait. Aujourd'hui, les délais de paiement, après l'été un peu compliqué, les délais de paiement sont autour de 13 jours.
on parle de reconfinement, on sait que ça va avoir des conséquences sur l'économie. Qu'est-ce que j'en attends? C'est que vont se succéder tout au long de la journée des experts qui sont qui vont nous proposer des pratiques, les bonnes pratiques autour de l'amélioration de la trésorerie et surtout comment faire entrer le cash baby. Voilà. Donc c'est ce que j'attends de cette journée, c'est donnez-nous des bonnes pratiques pour que nos patrons d'entreprise, les chefs de PME, les chefs de TPE, les ETI, voire même les grands groupes, parce qu'il y a des grands groupes qui souffrent dans certaines filières, trouvent la meilleure organisation possible pour faire entrer le cash. Et j'attends aussi également, par rapport au plan de relance que nous pouvons estimer un peu décalé par rapport à ce qui est en train de se passer, c'est est-ce que ce plan de relance est toujours adapté et comment faudrait-il l'adapter malgré toutes les aides et les efforts qu'a fait le gouvernement. Et on peut saluer tous les efforts qu'a fait le gouvernement pour accompagner les entreprises et l'économie. Parce que sans les PGE, sans le décalage de charges, etc., etc., je pense que notre économie serait totalement par terre avec beaucoup, beaucoup d'entreprises. Voilà. Voilà ce que j'attends de cette journée. Merci Charles, vous avez bien résumé. Effectivement, on va beaucoup parler de délai de paiement, c'est le cœur de notre sujet, mais bien évidemment dans la perspective de la relance. Je ne dis même pas du plan de relance, je parle tout simplement de relance, mais on aura l'occasion de reparler avec vous et notamment au moment de la conclusion. Je vous souhaite une bonne journée Charles, à l'écoute de nos travaux. Je sais que vous êtes très attentif. Avec moi donc également Eric Scherrer pour la FTCC, l'Association des Credit Managers. Alors aussi peut-être un mot de la FTCC parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Oui. Bonjour à tous. Effectivement, je représente la FDCC, donc qui rassemble en fait les credit managers. Les credit managers, ce sont ceux qui, dans les entreprises, ont en charge la gestion des délais de paiement et notamment les encaissements de créances et qui doivent aussi maîtriser, autant que faire se peut, le risque d'insolvabilité. Et donc, notre mission, c'est d'être en avant-poste, en première ligne, en fait, pour diffuser les bonnes pratiques à cet égard. Donc, cette journée va vous intéresser au premier chef. Et qu'en attendez-vous, vous, de l'endroit où vous êtes? Alors, moi, je me rappelle, en fait, que lors d'une précédente intervention, c'était au moment du plan de relance que tout le monde attendait avec fébrilité. Et on cherchait les conditions qui créent la confiance, parce que c'est le mot-clé. Mais il y avait donc deux notions importantes, deux thèmes importants, qui étaient l'un, le carnet de commandes, qui est un petit peu le pilote, qui est le pilote du, qu'il a toujours été, mais qui est le pilote du redémarrage de l'activité. Bon, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a aussi un autre paramètre, un chef d'orchestre, qui est l'évolution de la situation sanitaire. Et puis, la deuxième notion clé, c'est évidemment la trésorerie, Charles en a parlé, parce que c'était le carburant, c'est toujours le carburant indispensable pour le redémarrage de l'activité. Et là, il faut se rappeler, en fait, que les PME ne disposent que seulement de l'équivalent de 2 mois de chiffre d'affaires en réserve de trésorerie. C'est pas beaucoup. Entre 3 mois pour les ETI, 4 mois pour les grands groupes. Et encore, on parle à date aujourd'hui. Ces 2 mois, c'est à date. Hein. Absolument. Avant Covid, après Covid. Et donc, après les aides qui ont été apportées, effectivement, et qui étaient absolument nécessaires. Donc, carnet de commandes, trésorerie. Même si alors à l'époque, on s'était vu, l'activité commençait à redémarrer. Là, on a quelques craintes, et notamment autour de la question du cash, pour parler clair. Oui, mais elle a redémarré, il faut quand même le noter, même si effectivement, tout le monde n'a pas pu redémarrer, ça c'est clair. Et puis, il y a des secteurs aussi pour lesquels ça a été très variable. Donc, il ne faut pas méconnaître les difficultés. La constatation, c'est que de toute façon, que font les entreprises, c'est que le chiffre d'affaires qui a été perdu les 2-3 mois au moment du confinement ne sera pas retrouvé. Et pas en tout cas entièrement, pour une grande majorité d'entre elles. Et que ces entreprises espèrent au mieux à la fin de l'année, pour celles qui clôturent leur exercice en fin d'année, elles espèrent arriver dans le meilleur des scénarios à l'équilibre en termes de résultats. Aujourd'hui, on est visiblement obligé de fonctionner avec des étapes les plus proches possibles, et celle que vous fixez, c'est déjà l'étape de la fin de cette année pour la question du cash en priorité, c'est ça? Absolument. Il faut que les pouvoirs publics, comme je le disais, continuent en fait à remettre du carburant, que les entreprises qui ont encore besoin, et c'est un petit peu la difficulté, avec les aides qui ont été apportées, les reports d'échéances de prêts, les reports de charges sociales,
le PGE, des entreprises vont devoir recogner, je veux dire, à la porte de leur banque pour qu'on continue à les aider. Et effectivement, aujourd'hui, l'enjeu pour les credit managers, évidemment, et pour tout le monde, l'enjeu cash reste prioritaire. Et notamment, comme je le disais, on va surveiller les prochaines échéances, hein, octobre, novembre, décembre, notamment pour les entreprises qui connaissent des pics d'activité en raison de leur saisonnalité en fin d'année. La position cash au 31 décembre va être évidemment très très importante pour elles. Ça conditionnera aussi quelque part le redémarrage et leur bonne notation pour poursuivre leur activité. Et un dernier point, oui, pour conclure. Dernier point, c'est de concilier cela avec effectivement le respect des délais de paiement, avec le maintien d'une relation commerciale aussi bonne que possible, et un développement du chiffre d'affaires. Et là, effectivement, les credit managers rencontrent plusieurs difficultés aujourd'hui. C'est en premier lieu la difficulté d'avoir de l'information. Puisqu'on sait que des sociétés ne publient pas leurs comptes de moins en moins. On a eu un report aussi sur la publication des comptes de l'ordre de 3 mois. Et on a aussi des sociétés qui publient depuis déjà quelques années sous le sceau de la confidentialité. Donc, c'est très difficile pour les credit managers d'appréhender la situation réelle des entreprises. Et d'autant que, parallèlement, on a aussi affaire en termes on a affaire à une montée des risques, et ces risques sont aussi moins couverts qu'ils ne l'étaient par le passé, notamment le recours aux assurances crédit, à la facturage a quand même diminué et a posé problème. Et puis dernièrement, on a je voudrais dire d'ailleurs lancer un appel parce que ça nous paraît vital, Credit Manager, qu'il y ait un maintien en fait du dispositif de cap relais qui a été mis en place à l'été, au mois de juin, et qui est absolument nécessaire de reconduire pour pouvoir continuer à assurer au moins une partie du chiffre d'affaires, puisque les entreprises, de toute façon, gardent toujours une part de risque. Elles ont un risque en tant d'entreprise qu'elles gardent, mais elles souhaitent une couverture complémentaire. Et enfin, il faut que les délais de paiement ne dérapent pas. On sent un frémissement à cet égard. On sait que notamment, alors paradoxalement, moins des grandes entreprises, mais les PME, leur délai de paiement vis-à-vis de leurs fournisseurs ou entre elles se tendent un petit peu, et ça, c'est une inquiétude. On a quelques jours de retard qu'on constate supplémentaire par rapport à celui qui était déjà constaté jusqu'à présent. Merci Eric, vous restez avec nous. J'espère que d'ici la fin de soirée, vous aurez un certain nombre de réponses aux interrogations que vous avez posées. Je sais bien qu'on ne réglera pas tout aujourd'hui, loin de là. Pour entrer dans le vif du sujet, j'allais dire, la parole tout de suite au ministre délégué chargé des PME, monsieur Alain Griset, qui ne pouvait pas être avec nous pour des raisons que je n'ai pas besoin de vous expliquer, mais qui a tenu à nous faire passer ce message enregistré dans son bureau de Bercy. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. À l'occasion de cette 7e édition des Assises des délais de paiement, j'ai souhaité m'adresser à vous. Dire d'abord combien je remercie Madame Prost et Pierre Pouillouzet pour leur investissement dans ce domaine. Dire aussi qu'à l'occasion du Covid, nous avons remarqué et j'ai même regretté le fait qu'il y ait eu des allongements significatifs qui mettent en danger beaucoup de TPE-PME. Je le rappelle, pour les PME, c'est 19 milliards. Pour les ETI, c'est 7 milliards aujourd'hui, donc c'est dans cette situation extrêmement périlleux. Naturellement, je compte sur chacun d'entre vous pour comprendre l'importance de respecter ces délais de paiement. Il n'y a pas toujours de mauvaise volonté des uns et des autres, mais il y a quelquefois dans la chaîne hiérarchique des délais sur lesquels on peut les uns et les autres intervenir pour, au bout du compte, améliorer la situation. Nous continuerons avec Bruno Le Maire d'avoir une attention particulière sur ce sujet. Et comme je l'ai indiqué il y a quelques jours, à l'occasion du rapport que m'a remis Madame Prost, nous souhaitons pas, mais nous sommes prêts à regarder, si nécessaire, comment nous pourrions avoir un certain nombre de dispositions qui iraient plus loin dans les obligations apportées à chacun d'entre vous. Encore une fois, ça n'est pas notre priorité, mais néanmoins, elle n'est pas aujourd'hui en dehors de notre esprit. Je compte sur chacun d'entre vous pour, au bout du compte, nous permettre d'atteindre des objectifs tout à fait réalistes.
pourquoi l'Allemagne, avec ses 7 jours, pourquoi les Pays-Bas, avec ses 4 jours, font mieux que nous. Je pense qu'en France, nous sommes capables de réaliser le même résultat. Alors, c'est vrai, au fur et à mesure, nous allons avoir le paiement électronique qui va sûrement faciliter les choses. Mais avant ça, j'ai fixé pour 2021 l'objectif de revenir à un délai inférieur à 10 jours. Donc, merci à chacun d'entre vous de saisir l'occasion de ces assises pour regarder comment saisir les bonnes procédures, comment regarder les bons exemples. Et merci de contribuer à ce qu'ensemble, nous puissions atteindre ces objectifs et surtout permettre à notre économie de pouvoir passer ce cap difficile. Bonnes assises à chacun d'entre vous. Merci d'avance. Retour au direct pour ces septièmes assises des délais de paiement qui nous réunissent donc jusqu'à 19h, je vous le rappelle, avec des interventions sur ce plateau, toujours limitées à 3 personnes pour des questions de respect des conditions sanitaires, ou en duplex avec un certain nombre d'acteurs du secteur, des assises très particulières en cette période de Covid et dans l'attente des prochaines décisions du gouvernement et du président de la République en matière sanitaire qui auront forcément des conséquences sur le secteur économique en général. Nous a rejoint, et je le remercie, Patrick Martin, le directeur délégué, président délégué, pardon, du MEDEF. Je vais vous laisser votre titre officiel. Bienvenue et merci. Avant de vous laisser la parole sur le point de vue que défend le MEDEF concernant le respect des délais de paiement, j'ai envie de vous faire, c'est le journaliste qui revient, un petit commentaire. Le ministre disait qu'il souhaitait que d'ici la fin 2021, les délais de règlement soient amenés à 10 jours. Ce n'est pas un peu énorme? Le dépassement. Le dépassement, oui, pardon. Oui, le dépassement. Voilà, le règlement est pas là. On en a pour un moment. Je voudrais d'abord saluer Eric Scherrer, saluer mon ami Charles Battista, à qui je souhaite une excellente santé. Vous dire que je m'exprime évidemment en tant que président délégué du MEDEF, mais également en tant qu'entrepreneur sur des sujets qui me parlent. Pour vous situer d'un mot les choses, mon entreprise porte 135 millions d'euros de crédit client. Donc, je suis un peu attentif au sujet, d'autant que nous sommes auto-assurés. Il y a une petite dérive actuellement sur les délais de règlement. On y est évidemment extrêmement attentif. Moi, je pousse absolument le gouvernement à mieux considérer ce sujet, globalement celui du crédit interentreprise, celui des assureurs crédit, qui est un sujet, il faut le dire, et ça n'est pas faire offense à mon ami Alain Griset, qui est sous-estimé au niveau du gouvernement. Au même moment où on nous parle de 20 milliards d'euros de prêts participatifs ou de fonds propres qui seraient apportés aux entreprises, si on rapporte ça au montant du crédit interentreprise et par voie de conséquence au risque que ça fait peser sur la trésorerie et sur la rentabilité des mêmes entreprises, en réalité, il faut qu'il y ait un focus beaucoup plus fort sur ce sujet-là. Le MEDEF s'y emploie. Le MEDEF s'y emploie. Et le MEDEF qui participe, que dites-vous d'ailleurs de la façon dont se passent les échanges, notamment cette période de Covid, avec les pouvoirs publics, dont on dira un mot, bien sûr, sur les aides, etc. Quel est le climat pour vous? Le climat est un climat d'écoute et, je dirais, de bonne intelligence. Je ne vais pas vous relater la réunion qu'on a eue jusque très tard hier soir avec Jean Castex et 5 de ses ministres, dont Alain Griset d'ailleurs. Vous le savez très bien, il y a une équation difficile à résoudre entre la priorité sanitaire et l'enjeu économique et social. À ce jour, il faut le reconnaître, et je ne juge pas, c'est plutôt le prisme sanitaire qui prédomine, et les mesures qui vont être annoncées dans la journée seront inquiétantes du point de vue de l'économie et du social. Bon, au-delà de ça, on multiplie les réunions. Vous évoquiez tout à l'heure Caprolet, pas plus tard qu'hier en début d'après-midi, nous étions à Bercy avec notamment Philippe Brassac, le président de la Fédération bancaire française. Nous avons beaucoup insisté auprès du ministre pour lui dire qu'il fallait pérenniser un certain nombre de ces dispositifs, singulièrement Caprolet, parce que sinon, avec les difficultés économiques qui s'accumulent, on parle de 95 milliards d'euros de pertes de valeur ajoutée pour les entreprises françaises, immanquablement, ça aura beaucoup plus demain un impact sur leur trésorerie et donc un risque majeur de contamination, d'effet domino sur toute la chaîne économique. Ouais, j'ai l'impression, du point de vue de l'endroit où je suis, et pour suivre cette crise et la question des délais de paiement depuis un certain nombre de mois déjà, qu'on s'attend toujours au pire et qu'il n'arrive pas immédiatement, mais qu'il va arriver. Est-ce que notamment, on avait craint il y a quelques mois un nombre de faillites très très important, il est peut-être moins important, moins grave, pardon, de cette relativité que ce que l'on craignait, mais on le dit pour 2021. Vous le pensez aussi, vous pensez que le plus compliqué est encore à venir?
Oui, certainement. L'économie, les entreprises ont été mises sous cloche avec un certain nombre de dispositifs sociaux ou financiers. Il faut avoir en tête que le PGE, à hauteur de 120 milliards d'euros qui a été versé aux entreprises pour l'instant, n'est consommé qu'à hauteur d'un tiers, qu'il y a eu des reports de charges sociales, fiscales, d'échéances bancaires, mais le mur se rapproche. Je voudrais profiter de cette occasion pour insister sur un point. Les professionnels qui nous écoutent le savent, mais beaucoup d'entrepreneurs n'en sont pas conscients. Il n'y aura pas d'obligation de remboursement du PGE au terme de la première année. Et la loi le prévoit, c'est l'entrepreneur lui-même qui décidera s'il rembourse, et beaucoup le feront quand même, ou si au contraire il demande la prorogation de ce PGE jusqu'à 5 ans de plus. C'est une donnée objective, mais c'est aussi une donnée psychologique, parce que beaucoup de chefs d'entreprise se font peur actuellement, au-delà de ce que la réalité économique justifie. Donc là, on peut les rassurer, c'est bien l'entrepreneur qui prendra la décision. Il faut les rassurer. Alors bien sûr, tout ça a un coût, mais un coût finalement très raisonnable. Et l'enjeu pour les entreprises actuellement, c'est beaucoup plus un enjeu de trésorerie qu'un enjeu de rentabilité. Si on doit payer un point de plus sur un PGE qui en moyenne porte sur 180 000 euros, ça fait 1 800 euros par an, ça n'est pas neutre. Enfin, c'est pas ça l'enjeu principal. Alors, on parle beaucoup, Monsieur Martin, de plan de relance. Moi, j'essaie de faire la différence entre plan de relance et relance, parce que j'ai l'impression que ce sont deux choses assez différentes. Plan de relance, c'est un certain nombre de projets, d'appels à projets. Et puis, la question de la relance, elle est encore plus ambitieuse. Un mot sur les deux aspects, sur le plan de relance, tout d'abord. Le plan de relance est en train d'être dévoré par le plan de soutien, parce qu'il y a une nouvelle mesure qui vont s'imposer compte tenu de ce qui sera annoncé cet après-midi. Il y a 330 000 entreprises, je le dis dès à présent, dont l'activité va être de nouveau administrativement arrêté. Donc il y a des dispositifs de soutien qui existent, qu'il va falloir renforcer, alors même que les déficits publics, ceux des collectivités locales et de l'État, ceux des régimes sociaux, vont se creuser de 75 milliards d'euros cette année. Donc l'équation budgétaire devient absolument ingérable. Après, il y a la relance à proprement parler, qui dans l'esprit, dans l'imaginaire collectif, est un peu effacée par cette situation d'urgence et ce plan de soutien. Il faut que les entreprises s'emparent de ce plan de relance. Elles ont commencé à le faire sur le recrutement des jeunes et singulièrement des alternants. La baisse des impôts de production, même si elle n'est que partielle par rapport à ce qu'il faudrait, 10 milliards alors qu'il en faudrait 35 pour rejoindre la moyenne européenne, c'est acté. Le sujet des contreparties est en train de sortir du débat, et tant mieux, parce qu'il est ridicule, il est hors de propos compte tenu de l'urgence économique. Et après, il y a tout le volet des subventions. Le MEDEF s'est employé à ce que ce volet soit simplifié parce qu'il était très technocratique, et d'ores et déjà il y a un certain nombre de dossiers qui sont déposés auprès des administrations et qui seront instruits. C'est notre responsabilité, c'est notre intérêt par ailleurs de nous emparer de ce plan de relance, parce que l'histoire n'est pas finie, cette parenthèse du Covid aura un terme, malheureusement pas aussi vite qu'on l'aurait souhaité, et donc je crois que c'est dans l'ADN, c'est dans le mental des chefs d'entreprise, y compris de ceux qui actuellement sont confrontés à de réelles difficultés, de penser à l'après en matière de recrutement, en matière d'investissement et en matière de rentabilité. Peut-être que Charles Battista, si Charles est toujours en duplex avec nous, a peut-être envie de vous poser une question ou d'intervenir auprès de vous, de même qu'Éric Scherrer, bien évidemment. Charles ? Patrick a abordé le problème des faillites. C'est vrai que le problème des faillites, enfin, il a été abordé sur le plateau du problème des faillites. C'est vrai que d'ici la fin de l'année, on n'aura pas de surprise, on aura moins de faillites que l'année dernière. Hein. Parce que, pour quelle raison, c'est que le pays a été mis en coma artificiel pendant plusieurs mois lors du confinement, y compris les tribunaux de commerce. Pour autant, on peut s'attendre à une vague de faillite relativement importante à partir de début 2021. J'entends que entre 2021 et 2022, certains avaient annoncé ça sur 2020, c'était un peu fantaisiste, mais je crains que nous passions la barre des 100 000 faillites sans vouloir faire de prévisions pessimistes. Mais tout au moins des prévisions réalistes, que nous franchissons la barre des 100 000 faillites d'ici au printemps 2022. Donc, il faut être extrêmement vigilant à ce qui va se passer. On sait que la trésorerie des entreprises va être majeure. On sait que les aides de l'État vont encore être importantes. Et je rejoins tout à fait Patrick quand il dit que le plan de relance, c'est plutôt le plan de soutien. Parce que la crise sanitaire que nous traversons a des effets désastreux sur notre économie. On sait qu'il y a des filières entières qui sont menacées de disparaître. Donc, il faut être extrêmement vigilant à ce qui se passe. Tout le monde se serre les coudes. Et surtout, à la mesure du possible, c'est que les grands meneurs d'ordre qui peuvent respecter les paiements, les respectent. Et surtout, les PME entre elles, qui aujourd'hui, on commence un peu à moins respecter les paiements. Parce que c'est le futur qui est menacé. Merci.
Patrick Martin, un mot de complément à ce que disait Charles. Vous partagez l'analyse. Oui, alors il se trouve que je travaille très régulièrement au titre du MEDEF avec Pierre Pellouzet et Frédéric Wisniewski. Qui seront là tout à l'heure après. Avec. Et on voit effectivement dès à présent augmenter le nombre de dossiers, de saisines des médiateurs. Et c'est vrai. Alors, avec des situations sectorielles extrêmement contrastées, que le nombre de ces dossiers va augmenter. Alors, des sujets de délai de paiement à proprement parler, mais également des sujets de pratiques commerciales qui sont beaucoup plus difficiles à appréhender, mais auxquelles on est extrêmement attentif, c'est-à-dire des comportements abusifs. J'insiste pas uniquement sur les délais de règlement de la part de certains donneurs d'ordre. Donc, il va falloir être très vigilant. Oui, il y aura de la casse. Alors, dans les secteurs que l'on connaît, l'hôtellerie, restauration, l'événementiel, le spectacle, l'aéronautique, toute la filière aéronautique, y compris des sous-traitants de deuxième, troisième, quatrième rang. Moi, qui suis originaire de Rhône-Alpes, je peux vous dire que dans la mécanique en particulier, il y a beaucoup d'entreprises qui, étant passées de la sous-traitance automobile à la sous-traitance aéronautique, croyaient tirer d'affaires. Pas de chance pour elles. C'est un peu la double peine pour celles qui sont à la fois sur l'automobile, qui va mieux malgré tout, et l'aéronautique. Donc, il va falloir que les banques jouent leur rôle. Elles le font. Elles le font à l'heure actuelle. On voit que le crédit bancaire continue à augmenter, même si les conditions de rémunération augmentent un petit peu. Il va falloir que les entreprises soient loyales entre elles. La solidarité entre entreprises, la loyalité, l'honnêteté. Et qu'on ne retombe pas dans ces travers qu'on a pu connaître dans les années 2008, 2009, 2010, avec des effets ravageurs. Et puis, il y a l'enjeu central des assureurs crédits, dont le modèle économique est extrêmement fragile. C'est un modèle pro-cyclique, en définitive, et c'est pas leur faire injure que de dire ça. Donc, il faut, je le redis, il faut que les dispositifs de réassurance publique soient prorogés, soient le cas échéant renforcés. Et pardon de me répéter, il faut impérativement, et je l'ai dit donc à Bruno Le Maire hier, que Caprelet soit prorogé au-delà du 31 décembre. Mais les parlementaires, le gouvernement lui-même ne sont pas assez conscients de l'enjeu qu'on a sur le crédit interentreprise. Il y a encore de l'information à produire là-dessus. Hein. Eric ? Oui, alors, juste un mot effectivement sur le thème des défaillances. C'est vrai que les entreprises, en tout cas les grandes, ont toujours eu la possibilité de provisionner pour des risques qui allaient venir. Mais on provisionne un maximum effectivement, mais en espérant évidemment que ce soit que toutes les entreprises ne tombent pas en même temps. Donc les provisions, l'auto-assurance, effectivement, elle est nécessaire quand on peut la pratiquer. Maintenant, le problème, comme je dis, c'est si plusieurs ou même toutes les entreprises que l'on considère comme étant susceptibles de défaillir le font l'année prochaine, ça va évidemment poser problème, même pour celles qui ont des réserves. Donc, on espère effectivement que la vague, parce qu'on parle d'une vague, certains même parlent d'un tsunami. Quand on écoute aussi certains tribunaux de commerce, ils semblent dire bah non, ce sera pas un tsunami, on va pas se retrouver devant un mur brutal sur tel mois déterminé, ça va s'étaler. Il faut espérer effectivement que ça va s'étaler. Il faut espérer que les tribunaux de commerce, qui, contrairement à ce qu'on a dit, n'étaient pas fermés, vont continuer à pouvoir dialoguer avec les chefs d'entreprise, les inciter à aller les voir s'ils n'ont pas encore fait, parce qu'il y a des solutions, il y a des procédures anti-dépôt de bilan, des conciliations, des mandats ad hoc qui, lorsque la situation n'est pas obérée, lorsque les entreprises sont encore viables, il faut absolument actionner cette corde pour, encore une fois, étaler, si possible, les défaillances qui effectivement, certaines d'entre elles seront inévitables. Elles se seraient produites de toute façon pour des entreprises qui étaient en mauvaise santé financière avant le Covid. Donc, celles-là, fatalement, on va les revoir à un moment ou à un autre de l'année prochaine. Vous pouvez rester encore quelques instants avec nous. On va entendre un autre témoignage, plutôt, une déclaration. C'est celle que nous avons recueillie auprès du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, qu'on écoute tout de suite. Les délais de paiement, c'est important pour la Banque de France parce que c'est important pour les entreprises, et notamment les PME et TPE. Vous connaissez les chiffres, c'est un élément essentiel, souvent oublié, de la structure de financement des entreprises. Plus de 600 milliards d'euros d'encours en France. Et c'était particulièrement important dans cette année 2020, une année de crise,
puisque nous nous sommes beaucoup souciés au sein des pouvoirs publics de la trésorerie des entreprises et des PME. Il y a eu l'action du côté des PGE pour mettre à disposition des entreprises des fonds. Il était très important de veiller à ce que les délais de paiement ne se dégradent pas. Alors, nous avons regardé très tôt, dès le mois de mars, si la crise avait un effet sur les délais de paiement, et nous avons eu un certain nombre d'alertes. Nous suivons notamment semaine après semaine le paiement des effets de commerce. Alors, ça n'est qu'une petite partie, évidemment, des règlements inter-entreprises, mais ça a l'avantage d'être un thermomètre extrêmement sensible. Et là, nous avons eu une alerte dans la deuxième quinzaine de mars. Parallèlement, grâce à notre présence sur le terrain, puisque vous savez qu'il y a une succursale de la Banque de France avec un conseil consultatif réunissant des entrepreneurs dans chaque département, il y a un certain nombre d'alertes quali, hein, de cas qui nous sont remontés. Donc, ce que nous avons décidé à ce moment-là, outre une vigilance renforcée, c'est de mettre en place un comité de crise qui est co-présidé par la Banque de France, le médiateur national du crédit, Frédéric Wisniewski, et le médiateur des entreprises, Pierre Pellouzet, qui s'est réuni chaque semaine pour suivre un certain nombre de cas difficiles et, je crois, mener une action efficace. Alors, le comité de crise s'est réuni au moins une fois par semaine, a examiné un certain nombre de cas, notamment de la part de grands donneurs d'ordre, a été amené à intervenir auprès de ces grands donneurs d'ordre, et je dois dire de façon efficace. Ça, c'était les mauvais cas. Le comité de crise a aussi mis en avant des bonnes pratiques. Nous avons eu le sentiment, au fur et à mesure des mois du confinement et puis de la reprise, qu'un certain nombre de déviations que nous avions repérées ont été corrigées. Et nous n'avons pas d'alerte globale sur les délais de paiement dans la crise. Nous restons évidemment extrêmement vigilants sur les déviations et vigilants positivement pour promouvoir les bonnes pratiques. Le comité de crise va continuer. Et puis, il y a tout le travail de fond qui est fait par la Banque de France en 2020 comme les années précédentes pour mesurer les délais de paiement. Nous sommes le secrétariat de l'Observatoire des délais de paiement qui vient de remettre son rapport le 8 octobre. Nous suivons évidemment la bonne application des règles en la matière et nous souhaiterions que des progrès puissent être poursuivis globalement. Et heureusement, la loi est respectée, mais il y a un certain nombre de points d'attention. Et je sais pour les entrepreneurs qui nous regardent qu'en particulier les délais de paiement de certaines collectivités publiques, les collectivités locales, les hôpitaux sont aujourd'hui plus longs et ne sont pas satisfaisants. Nous devons donc continuer à travailler pour améliorer les choses. Ces assises des délais de paiement aujourd'hui contribuent. Je vous souhaite la journée la plus productive possible. Je crois qu'elles manifestent aussi que c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire qu'il faut les différents pouvoirs publics, y compris la Banque de France, il faut le national et il faut le local, et puis il faut la participation des fédérations professionnelles, des entreprises. C'est ensemble que nous pourrons poursuivre les progrès qui ont eu lieu hein, très, très réellement depuis 10 ans, mais nous ne sommes pas au bout de ces progrès pour assurer la sérénité des chefs d'entreprise, des patrons de TPE et PME et améliorer leur structure financière. Bonne journée à vous tous. Le gouverneur de la Banque de France, oui, Monsieur Martin, il faisait remarquer, il disait pas d'alerte globale sur les retards de paiement, mais un certain nombre de petits signaux qui s'allument déjà du côté d'un certain nombre de donneurs d'ordre, notamment dans le secteur public, et même il parlait des hôpitaux. Oui, alors je souscris évidemment à tout ce que vient de dire le gouverneur, participant moi-même à ce fameux comité de crise qu'il a évoqué. Ici et là, il y a des situations qui sont franchement scandaleuses et charité bien ordonnée, commençant par soi-même, les pouvoirs publics devraient mettre de l'ordre et rappeler à leur devoir, en définitive, un certain nombre de collectivités publiques. Alors ça peut être des collectivités locales, les hôpitaux, effectivement. C'est absolument scandaleux, par exemple, dans les départements et territoires d'outre-mer, où on observe au cas par cas des délais de règlement de l'ordre de 250 à 300 jours, qui évidemment menacent et condamnent au final un certain nombre d'entreprises. Donc on est très offensif sur ces sujets-là, et c'est vrai, je rejoins à nouveau ce qu'a dit M. Villeroy de Gallo, qu'il y a des résultats. Pierre Pellouzet et Frédéric Wisniewski n'hésitent pas à prendre leur téléphone, à se déplacer au cas par cas pour aller voir, y compris de très grandes entreprises, pour leur dire
arrêtez de vous comporter ainsi. Il y a le NEM and Shame au bout du compte. Alors pour l'instant, on est sur le NEM plutôt. Ouais. On souligne les comportements vertueux et il y en a et il faut les signaler. Le moment n'est pas loin où il faudra faire du Shame. Et pourtant, Dieu sait si le MEDEF est allergique à ce type d'approche un peu démagogique. C'est pas votre philosophie, je sais. Ouais. Mais tout de même, justement, sur cette question-là, Monsieur Griset le disait un peu, améliorer pas les procédures de délation, certainement pas, mais de désignation, ça vous paraît un chemin? J'ai l'impression qu'on fait du chemin tout doucement là-dessus. Vous avez raison. NEM, déjà, pas shame, mais peut-être des procédures un peu moins, peut-être plus contraignantes, mais moins avilissantes. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Oui, il faudra probablement passer par là. En se gardant d'en faire une généralité, oui. J'insiste là-dessus, oui, il y a des entreprises qui se portent bien, qui continuera à bien se porter. Il ne faut pas salir l'image de l'entreprise, je vous rejoins complètement. Oui, qui, des entreprises qui, même étant en difficulté, continuent à être très respectueuses et vertueuses. Donc, gardons-nous de généraliser. Mais il va falloir probablement, au cas par cas, passer à un registre supérieur. Moi, j'avais suggéré, pour tout vous dire, que le versement d'un PGE soit conditionné à un engagement de l'entreprise qui bénéficie d'une certaine manière à travers la garantie du soutien de la collectivité, que ces entreprises s'engagent à respecter leurs délais de règlement et qu'elles remboursent ou qu'elles soient pénalisées en termes de taux sur leur PGE si elles n'étaient pas au rendez-vous. Ça n'a pas été exactement retenu, mais il y a quand même une petite clause dans les contrats BPI de cette nature. Les discussions ne sont pas terminées. On profite encore d'avoir quelques instants ensemble et merci d'être encore avec nous. Charles et Eric, peut-être souhaitez-vous vous aussi échanger encore quelques instants avec Monsieur Martin, Charles Battista. Oh ben je crois que si on peut rebondir sur ce qu'a dit Patrick et c'est ce qu'a dit le gouverneur de la Banque de France, nous pourrons réussir à maintenir des délais de paiement acceptables à partir du moment où nous travaillons tous ensemble. Si chacun travaille de son côté et comme le disait à juste titre Patrick, charité bien mauvaise commençant par soi-même, on n'y arrivera pas. Il faut bien comprendre que ceux qui jouent ce jeu-là font partie en général de filières et s'ils laissent crever petit à petit leur sous-traitants ou leurs fournisseurs, eux-mêmes auront des difficultés. Donc, on ne peut que parler de solidarité et surtout de solidarité intelligente. Parce que charité, bien donné, commence par soi-même, dans la crise actuelle que nous traversons, ça ne peut pas fonctionner et ça ne marchera pas. À la sortie, ceux qui jouent ce jeu-là seront également pénalisés et sévèrement pénalisés. Voilà, je crois que... Oui, je peux ajouter quelque chose. Je vous en prie. En fait, notre responsabilité, notre devoir au MEDEF, c'est de faire auprès des entreprises la pédagogie des bons comportements et la pédagogie des bons dispositifs. Il y a une boîte à outils dorénavant et qui va être complétée de dispositifs. Je voudrais évoquer par exemple l'activité partielle de longue durée. Ça peut paraître éloigné du sujet des délais de paiement. Pas du tout en réalité. D'un côté, ça permet de préserver autant que possible l'outil de production pour rebondir le jour venu. Mais c'est également le moyen pour l'entreprise de mettre entre parenthèses des charges importantes qui sont des charges salariales, tout en faisant de la formation. Donc, on ne communiquera jamais assez auprès des entreprises et il faut que vos professions s'y emploient également parce qu'indirectement, ça renvoie à ce sujet de la solvabilité, du respect des délais de règlement. Aujourd'hui, on ouvre la boîte à outils dans vous parler. Éric Scherrer, encore une intervention et puis on conclura cette première partie. Évidemment, on voit bien tout l'enjeu que portent les délais de paiement, et c'est bien qu'on en parle pendant ces assises, c'était vraiment un thème qui était incontournable. On sait bien que dans les périodes de crise, et celle-là est particulière, puisqu'on voit déjà des gros qui tombent, qui maigrissent, et puis des petits qui disparaissent. Et donc, dans ce type de crise, effectivement, l'importance des délais de paiement est d'autant plus primordiale pour éviter des faillites en cascade. Les dettes des uns font les recettes des autres. Donc, effectivement, il y a une solidarité. Tout se tient. S'il y a un chaînon qui lâche, eh bien, derrière, on sait très bien que ça va se traduire par des défaillances et par des pertes d'emplois. Donc, c'est très important. On en est tous convaincus. Un dernier mot, Monsieur Martin, avant de vous libérer. On attend les annonces présidentielles pour la fin de journée. Alors, méfions-nous toujours des rumeurs et des informations, même si vous avez participé à des réunions, donc vous avez certainement une idée de ce qui se prépare. Vous croyez-vous à cette notion qui commence à monter d'un confinement éco-raisonnable ?
Que j'y crois, c'est plus un sujet de croyance. Hein. Malheureusement, il faut que les saint Thomas du plan de relance, du plan de soutien et des mesures sanitaires. Non, à nouveau, des mesures dures vont être annoncées. On n'a pas à juger si elles sont fondées sur le plan sanitaire. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'elles ont un impact important sur les entreprises, par voie de conséquence sur leur solvabilité et donc sur les délais de règlement et le risque de contamination en aval et en amont de ces entreprises. On va tout faire encore ce matin pour essayer d'amodier, d'assouplir, de rendre plus pragmatique ce qui va être au final annoncé en fin de journée. Mais ne nous racontons pas d'histoire, il y a un nouveau choc qui se présente, raison de plus pour que nos organisations assument complètement leurs responsabilités. Et puis je dirais, soit également en soutien moral de leurs adhérents, parce que dans la période qu'on traverse, il y a de l'objectif, mais il y a aussi du subjectif. Tout ça aura une fin, il faut que cette fin soit heureuse. Je crois respecter l'avis de beaucoup de ceux qui travaillent avec moi pour dire que c'est peut-être la période de solidarité la plus difficile qui s'ouvre pour nous tous. Merci à vous, merci, je vous souhaite une bonne journée. Eric, on se retrouvera à cette fin de journée. Monsieur Martin, je sais que vous avez d'autres engagements. Pour notre part, on s'interrompt pendant trois quarts d'heure et on se retrouve à 10h30 avec notamment autour de moi Thierry Millon de l'Atares et Jeanne-Marie Prost pour l'Observatoire des délais de paiement. On reviendra au sujet qui nous réunit aujourd'hui. À tout à l'heure, merci.